1v5. Je sais pas si Navi a une chance. On va voir. Zio, solo, ah, je sais pas. Ouais, c'est mal parti cette histoire. Mais ils mettent des fumis là, c'est triché ça! Qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils ont peur! Oh, les couards! 5v1, ils mettent des fumis et des flashs? Ah, bah ouais! On comprend pourquoi! Simple aussi, hein. Il aime bien se pilier. Ça va peut-être surprendre. Continuons, continuons. Alex qui quand même prend la part du gâteau qui lui incombe s'il faut Et au moins il survit à chaque fois. Sur ses pics, sur ses décals. C'est encore un gros timing pour ça. Oh ouais, là là, RPK, pas naïf hein. Il y a le tank. La belle ligne cassée, le 2 balles là, RPK, quand il décale la ligne cassée, qu'est-ce que c'est important, il décale pas le Tetris hein. Il est injouable. Il sait que c'est déjà passé. Très belle lucidité du tank, truqué et mérité là. Danger les 20. Si RPK, il a vaincu Zivo. Bah attendez. Le 180 degrés sur Alex. Spectaculaire, mais heureusement sans impact pour l'instant. Les Vita ont. Oh mon dieu! Toujours la mainmise, il atterrit au-dessus du. Wapex saute! Frozen lui arrache la tête! Est-ce qu'on pourra faire ça en temps et en heure? Oui, de justesse quand même. Shox qui tient la baraque. Et maintenant c'est un 2v2 avec peu de points de vie à négocier. Et Rob c'est déjà là. Alex 1v2 justement, il se replace. Alex au premier duel, enchaînement. Alex qui tient encore la baraque pour son équipe avec ce SG comme en demi-finale. Pendant la reprise notamment sur la flash de Boomich. Ça a pas commencé Mathieu. T'es chiant. Ça avait pas commencé. Ah mais ça gâche tout là, il y a plus de suspense. Ah puis il saute la ligne à la fin. Et Frozen ne doit pas faire trop de dégâts. Il pourrait offrir un double sniper. Il offrira une balle dans la tête d'RPK. Oh non, double de Frozen. Cache-toi bijou. Cache-toi. Oh, oh Frozen. C'est le jeu le plus. Peut-être le plus difficile. Oh non! Destroyer qui se rate. Alors que Shox se retrouve à poil. Surpris sous la douche. Il n'a pas le temps, okay. Il est calmé par Borup. RPK qui vise que le corps là-dessus exceptionnellement. Zivo 1v3, 1v2. Zivo a une info, deux infos, 1v1 pour Zivo, ça va très très vite. Zivo face à Stag. Il récupère un sniper, il prend la ligne. Estag n'a pas de flash pour casser la ligne du français. C'est fait, bien sûr. Pas un Zio. RPK, toujours pas repéré. Apex non plus. On finit par comprendre où ils sont. RPK qui en fait deux. Oh, c'est trop facile. Destroyer a une position très forte. Duki, dans le jargon, on l'appelle. Blaze pour la position d'Apex. Et Destroyer qui porte super bien son nom. Le triplé au SG, c'était superbe. Zio 1v2 pour m'inverser. Les deux joueurs ont leur point de vie, il ne sait pas où ils sont. Il se repositionne appartement, il va vider les appartements et le contre-temps vodka j'imagine. Alors, est-ce qu'il comprend que les deux joueurs sont ensemble? Normalement non. Après il va probablement... Voilà, là il le sait, ils ont tiré en même temps, ils auraient pas dû d'ailleurs. Ouais, il les entend très clairement, peu importe. Il ne veut pas survivre à une balle hein. Ok, ça part très vite sur Zivo, sur deux Zivo sur Bingo. On touche la bombe, Zivo a du sang-froid. Et Fjorn se fait avoir. Le quadruplé pour Zivo, peut-être le quintuplé. Urgent. Ah, c'est dommage. 5 secondes. C'est normalement perdu, ça va dépendre que d'Alex. C'est dommage qu'il n'y ait pas de rotation. Alex, il tient pour un doublé. Alex, le triplé. Oh Alex, le quadruplé. Oh Alex, route. Il est stratosphérique. Il est incroyable, il est magnifique. Ah, cette action. C'est incroyable. Ouais, non, c'était la tête.